Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Couplet avec Sailor et Alice. Et aujourd'hui, on fait la vidéo anniversaire. On peut pas attendre un an, nous on est trop pressés. Ça fera quoi peut-être? Enfin, au moins, quoi, tu me diras, parce que quand on a vu tout le stock qu'on a de vidéos tournées pendant les vacances, etc., vous avez peut-être pas encore tout vu, vous avez sûrement déjà tout vu, mais vu le stock de vidéos qu'on a, à ce moment-là, quand ils auront cette vidéo-là, ce sera peut-être les 2 ans en fait. Bon, bah, du coup, ce sera l'anniversaire, on dit quoi, 5 ou 6 non, mais non, 3 on mois. On peut pas s'avancer, 4. Parce que je t'avoue que je sais pas trop comment. Voilà, ce sera pour fêter un événement, en tout cas. Voilà. Vous le verrez dans le titre, les X mois de Couplet. Exactement. Voilà. Et allez, en l'état, on met X parce que nous-mêmes, on sait pas quand est-ce qu'elle sera postée. Et sur cela, eh ben, on a décidé, pour fêter cela, de. J'avance doucement. De s'offrir les petits inséparables, parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent sur Instagram, et dans ce cas, si ce n'est pas le cas, venez vite sur Instagram, vous verrez que voilà, les inséparables, c'est un peu notre mascotte. On s'est toujours dit que si on devait refaire la charte graphique de Couplet, ce qui viendra un jour, on la refera certainement en se basant sur des inséparables, ça peut être inséparables geek ou ce genre de trucs là, mais dans tous les cas, voilà, les inséparables, parce que bah, vous connaissez, les inséparables sont des oiseaux qui vivent ensemble et qui ont besoin l'un de l'autre pour être heureux. C'est trop mignon. C'est mignon, et du coup, ça nous correspondait bien. C'est pour ça que c'est un peu notre image sur Instagram. Et du coup, voilà. Voilà. Et on les a trouvés en Lego, parce que vous connaissez notre passion Lego. Donc, on s'est dit que, on allait pour cette vidéo anniversaire, les monter avec vous. Donc, je suis en train d'ouvrir la boîte. Ah bah, c'est très important. Pour une fois que c'est pas des cartes Pokémon. Voilà, donc nous avons... On sait pas trop s'il est long ou pas. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'on va faire après cette vidéo? On va manger! On va manger, parce que là, c'est une journée de boulot. Il est 19h20, je crois, 14. Et on a très faim. Voilà, donc le petit livret. Attention, les yeux. Il y a une quarantaine de pages. En sachant que c'est 40 pages, mais petites. Hein. Je compare avec un Iron Man que j'ai monté, qui avait 90 pages, je crois. Mais oui. Des grandes mais pages. Mais après, là, peut-être que pour chaque oiseau... Ouais, mais là, c'est une étape par page. Tandis que moi, sur l'Iron Man, t'avais parfois 3 étapes par page. Oui, mais c'est bien ce que je te dis. En gros... Tu dois faire 2 fois l'oiseau. Oui, mais du coup tu en fais un et tu recommences. Mais voilà. Même pas en même temps parce que sinon. Exactement. Voilà. Donc on a les petits paquets à chaque fois là comme ça. Ah livre 1, livre 2. Ah mais non. Ah ils se font en duo. Ah il se fait livre 1 et livre 2. Donc il y a bien 2 livres. Donc le premier livre il a 59 pages et le livre 2 il est petit. C'est qu'un oiseau en fait le deuxième. Et il en a 40, mais ça fait 90 pages. Le deuxième, c'est juste le petit oiseau de droite, tandis que et le premier livre, c'est l'oiseau le premier oiseau et le support. Oui, c'est pour ça que je me disais il faut recommencer l'oiseau, mais non, en fait, du coup, il y a le cœur, il y a le cœur dans celui-ci. Ok, ok. Bon, bah voilà, en gros. Je laisse, vous le verrez certainement. Il m'est avis qu'on réussira quand même à le monter, je pense. Hein, on ne devrait pas trop non plus. Non, bah oui, on va réussir. Hein. C'est juste qu'on se pose la question sur combien de temps. Donc voilà, donc on a les petits sachets. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah oui. Donc, là, il faut le 5 et 6 pour cet oiseau-là. Bah écoute, moi je propose que je fasse ça. D'accord. Et ou alors l'inverse. Et je fais les premiers, c'est ça? Toi qui vois, on peut. Okay. Tu veux faire un lancer de dés pour savoir qui fait lequel? Moi je veux bien faire les premiers. Tu veux bien faire les premiers? Alors 5 et 6, tiens, tu as le 5 et le 6. Et il y a la petite plateforme, la petite baguette pour le cœur. C'est moi qui en aurais besoin. Et du coup, 1, 2, 3, 4, c'est pour moi. On fera le cœur ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Je le ouais, garde. Mais le cœur, ah oui, il est à la fin. Ouais. Parce que le cœur, il se fait là en fait. Exactement. Oui, oui. Oui, pas de problème, je le garde. Bon, moi, je fais l'oiseau et une fois que l'oiseau est fait, on voilà. Se retrouve. Non, on est en train de se faire les dispatchs en direct. Mais voilà, et donc on va poser la caméra certainement ici, comme d'habitude, pour que vous puissiez nous voir le faire. Je faisais la miniature sans te le dire, tu sais. Parce qu'on fait toujours l'erreur de on sait toujours elle qui porte les objets pour nos miniatures, sachez-le. Et le problème, c'est qu'elle est sur le côté où il y a le bandeau couplé. Donc on ne voit jamais l'objet. Ou alors, faut le mettre haut pour qu'il soit au-dessus du bandeau. C'est bon. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, bah, nous, on parlera pas. On va faire ça en vitesse en hyperlapse. Ouais. On va mettre en vitesse x10. Pour vous. Et comme ça, vous pourrez voir en direct, mais on parlera pas. Comme ça, voilà. Sur ce, eh bien, bon montage, bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, on fera peut-être une conclusion pour vous les montrer à la fin. Et on conclura à ce moment-là. Donc, forcément, ce sera obligatoire. Il faudra vous présenter le produit terminé. Voilà. Sur ce, bien, bon montage et à tout de suite. À tout de suite.
On est donc de retour et nous avons, bah vous l'avez vu de toute manière, nous avons fini les petits inséparables. Donc voilà, le petit symbole de la chaîne, c'est nos petits Lego inséparables. Donc ils tournent, genre si jamais il y en a un qui veut bouder, ils font comme ça. Et ils peuvent se faire la tête. Les deux, ils se tournent comme ça. Et sinon, quand ils s'aiment, ils font comme ça. Voilà. Il faut savoir qu'on ne l'a pas dit, mais en plus, où est-ce qu'on a acheté cette figurine? À Disney. Voilà, c'est une figurine qu'on recherchait, enfin un Lego qu'on recherchait depuis un moment. On savait où trouver, hein, mais on attendait voilà de... Oui, en fait, c'est j'étais allée voir au Lego Store de Châtelet et on nous avait dit qu'il n'était pas disponible. Par contre, quand on est allé au Lego Store de Disney, eh ben il était disponible. Il y en avait plusieurs en plus, on avait plein. Oui, il y en avait plein, donc il y avait 5-6 boîtes, quoi. Et... On a sauté sur l'occasion. On en avait également acheté d'autres, bon, on vous le montrera pas, vous les verrez sur mon vidéo. Il y a plein de petits cœurs comme ça, regarde. Mais voilà, nos petits inséparables sont montés. On essaiera de leur trouver un bel endroit pour qu'ils puissent être comme ça. On les verra à chaque vidéo. Je pense que là, ça peut être un endroit bien à la place d'une Love Ball. Hein, parce que la Love Ball ouais, les Pokéballs, je pense qu'on peut en dégager une. Et comme ça, vous les verrez logiquement. Voilà. Donc, vous les voyez ou vous les voyez pas? Je sais pas, je vois pas à cause de la lumière. Non, je crois qu'on les voit pas. Non, pas parce qu'en fait, la caméra n'est pas... Normalement, la caméra est un peu plus comme ça. Et là, oui, du voilà, coup, on merci. Les voit. Ah, je suis éblouie. Voilà. Je vais mettre la Love Ball derrière pour l'instant. Oui, la caméra est juste plus loin d'habitude, en fait, c'est tout. Voilà. Voilà. Bon, du coup, nous, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger. On va aller manger. On espère que cette petite vidéo montage de Lego vous a plu. D'autres sont en prévision. Oui. On en a monté pas mal. Il nous en reste encore quelques-uns à monter. Je peux vous donner un indice, par exemple, de ce que vous aurez. Alors, lui, il va être en timelapse très accéléré, malheureusement. Raison pour laquelle je pourrais pas en faire une vidéo. C'est celui-ci que j'ai monté la semaine dernière. Mais voilà, le problème c'est que j'ai après, mal. On pourra vous les... Ouais, non, parce que celui-ci on l'a mis dans une position. On va pas trop le bouger. Non, mais c'est surtout que j'ai mis un timelapse beaucoup trop rapide quand j'ai fait la captation. Et ce qui fait qu'on ne voit rien. Donc on pourra pas l'exploiter en tant que vidéo. Mais voilà, on en aura après, d'autres à vous monter. Avez, vous l'avez certainement vu, il y a un bonsaï. Je pense pas qu'il l'ait vu. Bah si, parce que quand on bouge la caméra, en fait, on voit le bonsaï qui est contre le meuble. Ah, mais il voit jamais ces phases-là parce qu'on coupe la. Il me semble qu'on je a peut-être toujours. Vu. Bref, bon, on s'en fiche. Si jamais vous l'avez peut-être vu, le bonsaï. Et une surprise qu'on a ramené de Disney aussi. On a ramené de Disney. Et puis en plus, qu'on me retenait, je pense qu'on ira à Disney, on achètera plus de Lego. Non, mais... on achètera du Disney. Voilà.
Bon, en tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit instant détente et sympa de montage de figurines Lego. Exactement, vidéo anniversaire pour notre chaîne. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Insta. Surtout sur Instagram, vous allez voir beaucoup d'inséparables. Voilà, on mettra sûrement le timelapse sur Insta, donc n'hésitez pas à venir le liker. Exactement. Et on vous dit... Et bah bon appétit. Bon appétit, ce soir c'est pizza. Exactement, mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé ce petit timelapse rapidos. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez aussi qu'on vous montre d'autres Lego qu'on achète en timelapse, en accéléré, ou éventuellement une critique sur ce que Sylar disait justement sur l'Iron Man qu'il a monté. La fin était juste casse-pied parce c'était qu'il y a pénible. Plein des petits éléments de déco à mettre dessus. C'était très pénible la fin parce que c'est voilà. Ça, c'est des on peut le partager pièces, avec vous si vous avez envie. Voilà. On n'est pas expert Lego, du moins pas on encore. Non, on n'est pas encore expert Lego. Petit clin d'œil à Camille, experte Lego que je connais. Ça viendra. J'espère qu'elle me verra. Et oui, ça viendra, je pense. Hein. Voilà. Voilà, on a la carte VIP, c'est bon, on est lancé. Merci à tous. Et à bientôt. Salut, salut les amis.